kinku kwata kututato kushebea ngu bwamwina mwandeo mushindo ujimuntu yo mwika na mpeta kala nijiu jina jenda jika na makupa toka patoka mochikondo chikala mijimu yosu ni mwakuto ajija mbeye bako shibansambu makuto bajitukulu makaiba mana kubwela mwabotu nipika leo nuku nibika la makumu na mushindo wakuto atulondo niku lumbulisha chilumbu echi mpakuma nase muntu yo kaba fabika la munga chumwakumu lumbulisha uchifumu intala uwenda ulumbulula katibobo kukwata kututato kushebea. Greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de Rome. Extrait de Rome. Au nom public de la cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, c'est lundi 20 décembre 2021, en forêt au nouveau palais de la justice, 6 avenue Bâtonnier et Poumbou, dans la commune de Gombe. C'est à Kinshasa le 20 décembre 2021, soit qu'il y a le jetou, major greffier du siège. Bien. La cour militaire constate la présence dans la salle de la RTNC, qui est l'organe de presse officiel, qui a pourvu la salle de l'équipement de transmission. En plus de cela, l'on signale la présence de la chaîne de télévision Justitia. Je ne sais pas si cet organe de presse est représenté dans la salle. Vous êtes là. Bien. En application de l'article 231 du Code judiciaire militaire, la Cour accorde la parole à l'officier du ministère public pour la réquisition de la couverture médiatique. Votre honneur, monsieur le président, honorable membre de la composition, tel que le veut l'article 231 du Code judiciaire militaire, dont l'alinéa premier est ainsi libellé, sauf autorisation expresse du président sur réquisition du ministère public, il est interdit dès l'ouverture de l'audience l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques. À l'alinéa suivant, il est dit que le contrevenant est puni d'une amende. Et in fine, en cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État. Dans le cas sous examen, monsieur le président, nous avons été contactés par les deux chaînes, la RTNC et la chaîne Justitia, qui ont sollicité l'autorisation de couvrir cette audience. C'est pourquoi nous requérons que plaise à votre cour d'autoriser que les deux chaînes puissent couvrir conformément à la loi, nous avons dit. La cour militaire prend acte de la réquisition faite par l'officier du ministère public et autorise les deux organes précités d'assurer la couverture médiatique du présent procès. Ceci dit, la parole est à l'officier du ministère public pour présenter les prévenus ainsi que les faits retenus à leur charge. Votre honneur, monsieur le président, honorable membre de la composition, tel qu'annoncé par les greffiers, votre cour est saisie par la procédure de flagrance et le siège de la matière, c'est bel et bien l'ordonnance loi numéro 78. Tiré 001 du 24 février 1978, tel que modifié par l'ordonnance loi 79-020 du 25 juillet 1979. Que dit exactement, monsieur le président, honorable membre de la composition, l'article 1er
de cette ordonnance-loi, toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, nous allons vous présenter d'abord prévenu appelé prévenu et nous allons vous faire un petit résumé des faits pour lesquels nous avons saisi votre juridiction par cette procédure de flagrance. Et pour tout commencer, c'est l'officier supérieur sur qui nous avons mis la main ce jour d'aujourd'hui. L'officier supérieur s'appelle le commissaire supérieur principal MOPP Samoani Bruno. Si avec l'autorisation de la Cour, il va s'élever. Présentez-vous, mettez-vous debout. Lui, il est chef de département OPS à la direction générale, à la direction des renseignements généraux de la police nationale. Le suivant, c'est le commissaire principal Chongo Onawelo Morgan. Lui, le chef de poule OPJ à la direction des renseignements généraux de la police nationale. Lui aussi, nous avons mis la main sur lui aujourd'hui. Le suivant, c'est le commissaire Nzita. Et le quatrième, c'est le brigadier Diamasivi Mukoko. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le Président, honorable membre de la composition? Nous sommes la nuit du jeudi 16, au vendredi 17, aux environs de 22h20 ou vers 23h, alors que l'OPJ Zita, le commissaire Zita, devait effectuer la permanence à la direction des renseignements généraux en tant que OPJ, il recevra l'appel du commissaire supérieur principal MOPP. Lui-même, le commissaire supérieur principal MOPP, venait de recevoir aussi l'appel d'un de ses proches, d'un de ses habitués, le nommé Ikamba, civil de son état, que nous n'avons pu jusqu'ici identifier. Monsieur Ikamba, proche du commissaire supérieur principal MOPP, l'appel pour lui dire qu'il venait de se saisir du monsieur Punga Chimanga Olivier, un civil. Il s'est saisi d'un autre civil la nuit sans document et il en informe le commissaire supérieur principal. Il est au-delà de 22 heures. Et il demande au commissaire supérieur principal de bénir cette action. Et le commissaire supérieur principal, prend le culot d'appeler l'OPJ qui fait la permanence à la direction des renseignements généraux. C'est la personne du prévenu Nzita. Il lui dit, reçois M. Ikamba et le colis qu'il va t'amener. Et lui s'est exécuté par rapport à l'ordre qu'il a reçu de son chef de département. Et pour aller en profondeur de leur salle maison, le commissaire Zita va utiliser les différents policiers qui étaient dans, par-ci par-là dans les postes à la direction. Il va parler avec eux
en leur terme de criminel. Il dit, tel que le colonel m'a briefé, il faut tout grimacer. On lui a dit, il faut qu'on torture. Il dit, il faut tout grimacer là, le mouton là, s'il va s'exécuter. Et c'est ainsi que les prévenus brigadier Diamassivi, l'un des bourreaux, plus les autres policiers que nous n'avons pu identifier jusqu'à ce jour, se sont mis à infliger des douleurs, des souffrances très aiguës à la victime dont nous avons cité le nom. Il y a des images, monsieur le président, il y a des images, ces images, vous voyez, comme on dit même dans la Bible, le sang de l'innocent crie toujours vengeance. Les renseignements à notre possession nous disent que ces images ont été prises par M. Ikamba, lui-même qui a saisi le commissaire supérieur principal, et dans la joie de voir sa victime subir tous ces mauvais traitements, il a eu la joie de filmer. Il a eu la joie de filmer, la chance pour nous accusateurs, parce que nous avons eu maintenant toutes ces images. Il ne s'est pas arrêté à filmer, mais il a lancé dans les réseaux sociaux ces images malheureuses. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Ils ont tellement torturé leurs victimes que au petit matin, celle-ci s'est retrouvée sans vie. Elle s'est retrouvée sans vie. Et le commissaire supérieur principal, mon pépé, informé le vendredi matin, il vient sur les lieux. Il constate sur le corps de la victime les traces de torture. Il semble, parce que comme la loi, monsieur le président, le code judiciaire vous donne pouvoir. Là, nous pensons notamment à l'article 249 du code judiciaire. Pouvoir de faire venir toute personne dont la comparution vous sera utile pour la découverte de la vérité. Il semble que la police scientifique était descendue aussi sur les lieux pour constater cette mort d'homme. Mais le commissaire supérieur principal Morgan s'est plu à rentrer en contact avec le parquet civil auprès de qui il va fomenter un scénario comme quoi M. Pungatimanga s'était suicidé dans l'Amigo, ne sachant pas qu'il était déjà trahi par M. Ikamba, son proche, et que les images faisant état de torture étaient déjà sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la cabale qu'il a montée, alors qu'il avait déjà toute la certitude que la victime était décédée de suite des tortures. Alors, parce que le procureur de la République de Kinshasa, en tant que magistrat, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme averti, il va appeler le commissaire supérieur principal. Il va lui poser la question, pourquoi vous avez torturé ces messieurs? Le commissaire supérieur Morgan, non, le commissaire supérieur principal, mon pépé, va nier auprès du ProRep
Il dit, nous n'avons pas torturé, il s'est suicidé. Maintenant, par malheur, il s'est senti confondu parce que le procureur lui a brandi les images qui montraient des policiers, des civils, notamment les chauffeurs de M. Ikamba, en train de torturer exactement la victime. C'est à ce niveau-là maintenant qu'il est resté bouche bée. Qu'il est resté bouche bée parce que sa manigrance était déjà découverte. Et en montant cette scène mensongère de suicides ou de pendaisons, il tentait de couvrir toutes les personnes qui ont exécuté son ordre, notamment le commissaire Zita et tous les autres policiers. Il tentait aussi de couvrir son ami proche, M. Ikamba, mais les manières étaient déjà sur ce chemin, les images étaient là. Et rien ne renseigne que même informé de torture ayant entraîné la mort, il a posé un seul acte responsable du genre procéder à l'arrestation des X, Y ou Z. C'est ce qui a fait que, à ce jour, les civils Ikamba, son chauffeur qui est l'un des bourreaux de la victime, tous ils sont introuvables. Il y a un policier aussi qui était à la suite de M. Ikamba, lui aussi introuvable. Et les renseignements à notre possession nous disent que le brigadier Diamassivi était en train de poser ses actes aussi de torture avec certains autres, parce que c'est la procédure de flagrance et que l'instruction va se faire à l'audience. Avec la sagesse de votre cour, nous allons approfondir, nous allons de plus en plus découvrir en profondeur, en plus de ce petit résumé des faits. Et nous n'avons pas, si nous, on voulait faire un peu allusion aussi au commissaire principal Morgan, lui le chef de poule des OPJ à la direction des renseignements généraux, en sa qualité de chef de poule, il recevait les informations des tortures et quand il est venu aussi, il n'a fait aucun rapport en sa qualité de chef de poule au PJ. Il n'a plus aussi aucun acte responsable. Ce que nous avons qualifié, à notre sens, d'une abstention coupable. Ce qui l'amène aussi, d'une manière ou d'une autre, dans cette participation criminelle de la torture ayant entraîné la mort. Voilà de façon un peu ramassé jusqu'à cette phrase, Monsieur le Président, on aura vraiment la proposition. Les faits pour lesquels nous vous avons saisi la procédure de flagrance, nous avons dit. Bien, la Cour prend acte de la présentation des prévenus qui sont déférés par devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, ainsi que des faits qui sont articulés à leur charge. Il faudrait venir. La Cour a bien suivi la présentation des prévenus, déférée par devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, ainsi que les faits articulés contre chacun d'eux.
Ceci dit, la Cour passe à l'identification des prévenus ainsi présentés. Prévenu Mopépé, à la barre. Décoiffez-vous. Voilà, le cours passe à l'identification du prévenu. Votre nom et poste-nom. Je m'appelle conseil supérieur principal de Pépé Savoie Bruno. Commissaire supérieur principal, Mopépé Samoani Bruno. À haute voix, pour qu'on puisse bien noter votre identité. Mopépé Samoani Bruno. Kabwani Bruno. Oui. Vous êtes commissaire supérieur principal. Lieu et date de naissance. 24 avril 1960, Kikwit. Vous saisissez. Vous entendez? Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Lieu et date de naissance. Je suis né à Kikwit le 24 avril 1960. Fils de? Fils de Mopépé Nimpien Constant, décédé. Et de Monampoutou Agathe, décédé également. Village d'origine. Mouaka. Bon. Mouaka. Groupement ou chefferie. Pardon. Village d'origine, c'est Bouanga. Oui. Chefferie Kwilu Kimbata. Secteur. Secteur Kwilu Kimbata. Territoire. Boulungu. Province. Kwilu. Kwilu. Votre fonction. Au moment de votre arrestation. Je suis chef de département des opérations à la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Alors, à l'occasion, vous déclinez votre matricule. Je suis long, je ne saurais pas. Vous n'avez pas sans tête. Pas sur la carte. Vous êtes marié, père de combien d'enfants? Marié, père de 6 enfants. Marié plus 6. Madame Mboui Odia, Françoise. Études civiles faites, études militaires ou de la police? Civil, j'ai toi en pédagogie. J'ai toi en pédagogie. Pédagogie. Et policière antiterrorisme et vieille.
antiterrorisme et VIP. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes entré dans la police en quelle année? Année d'incorporation? Bon, depuis le changement, l'entrée des musées, on met souvent 1987. Oui. Mais je suis de la garde civile, deuxième promotion. L'année, c'est 1900? De la garde civile, deuxième promotion. En quelle année? 87. 87, 1987, hein? Oui. Date d'incorporation 1987, ouais, ouais. Septembre, garde septembre. Civile. Ouais, ouais. C'est là que vous avez fait votre CI. Ouais. Vous avez fait votre CI sans instruction à, Maluk, ouais. À la garde civile. Bien, vous allez répondre aux questions de la Cour en quelle langue? Vous préférez quelle langue? En français. En français. Oui. Vous êtes assisté par un collectif d'avocats. Oui. Veuillez vous présenter selon l'ordre de préséance. Les prévenus assistés de Maître Bienvenu Fassou Mfounzanza, avocat au barreau de Kinshasa Matin. Maître Bienvenu Fassou, barreau de Kinshasa Matete. De Maître Christian Soutière, barreau de Kinshasa Matete du Kwilu. Christian Soutière, Kinshasa Matete Kwilu. Conjointement avec Maître Elodie Jérôme, avocat au barreau près de la Cour d'appel de Kwilu. Maître Elodie Jérôme, avocat au barreau près de la Cour d'appel de Kwilu. Conjointement Maître Issamba Nguissé, je suis avocat au barreau du Congo central. Quel barreau? Congo central. Congo central. Bien. Allez vous mettre le suivant. Commissaire Chongo. Décrochez-vous. Vous êtes commissaire principal. Hein? Exactement, monsieur. Décoiffez-vous. Non, poste non. Chongo Onawelo Morgan. Makama. L'autre nom. Chongo Onawelo Morgan. Lieu date de naissance. Né à Kinshasa le 24 juillet 1970. Fils de Onawelo Lumumba en vie. Et de Omba Adio en vie.
village d'origine. Ouma. Secteur. Ouma Gando. Territoire. Doubefou. Province. Sankourou. Votre fonction à la police. Pardon, au moment de votre arrestation. Un simple OPJ, contrairement à ce que dit le ministère public. OPJ simple. J'ai OPJ. OPJ simple, monsieur le président. En quelle unité? À la direction des renseignements généraux. Vous êtes marié, combien d'enfants? Marié, père de 7 enfants. Marié à madame Kalombo Mbembo Kélian. Études civiles et militaires faites, études LD en droit privé judiciaire. Breveté anti-émette. D'abord, études civiles, qu'est-ce que vous avez civile, dit? Études civiles, LD en droit privé judiciaire. Et études à la police. Études au niveau de la police et des renseignements généraux, au niveau de la garde civile anti-émette. Garde civile anti-émeute. Minage et déminage. C'est là que vous avez fait votre CI à la garde civile. À la garde civile. CI. À la police. Mais à la police. Renseignements généraux. Études à la police. Renseignements généraux. Vous avez étudié ça où, les renseignements généraux? À Fritid et ici à Kinshasa. Maloubou. Maloubou et Afrique City. Tiens, date d'incorporation, vous avez dit? Dans la garde civile, mars 92. Mars 1992. En police, juillet 1997. 1992. Dans la garde civile. Oui, à la police. Juillet 1997. Vous voulez répondre aux questions de la Cour en quelle langue? En français, monsieur le président. Vous êtes assisté par un collectif, hein, je vais vous présenter. Monsieur le Président, il est assisté de Jean-Paul Mbouli. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Jean-Paul Mbouli, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Landry Pongogonia, du même barreau, barreau de Kinshasa Gombe. Maître Isamba Nguissé, je suis avocat au barreau du Congo central. Enfin, Maître Ghislain Okito Okenge, avocat au barreau de la Cour d'appel de Kouyou. Le suivant, allez vous mettre. Commissaire principal, Zita. Vous êtes commissaire. Commissaire simple.
Commissaire, tout court, simple. Commissaire Nzita. Commissaire Nzita Mananga Crispin. Nzita. Pourquoi vous n'êtes pas en tenue militaire? Ministère public. Oui, depuis... Pourquoi il ne porte pas la tenue de police? Monsieur le Président, quand nous étions en train de vous présenter tout à l'heure les prévenus, nous vous avons dit que ce matin, nous avons mis la main sur le commissaire supérieur principal, mon PP, ainsi que sur le commissaire principal Morgan. C'est parce que les deux autres prévenus que vous allez voir sans tenue, ils étaient déjà à la disposition du parquet civil il y a plus de 24, plus ou moins 24 heures. Alors, parce que, étant donné que nous avons tenu de vous les présenter immédiatement par cette procédure, il n'y a pas eu le temps nécessaire pour leur permettre de s'habiller en tenue. Mais vous verrez qu'aux audiences prochaines, ils se conformeront et chacun viendra en tenue, nous avons dit. Bien. Non, pas son nom. Zita Mananga Crispin. Lieu et date de naissance. Né à Kinshasa le 8 janvier 64. Fils de... Fils de Nzita décédé. Oui. Et de Niati décédé. Village d'origine. Kibwandembe. Kibwalenge. Kibwandende. Ndende. C'est dans quel secteur? Partout. Partout. Territoire Bukula. District Bafleur. Au moment de votre arrestation, vous exerciez quelle fonction à la police? Oui. J'étais de permanence. Non. Votre fonction à la police? Fonction, je suis OPJ, OPJ CG. Ah, détaché à quel département? La direction des renseignements généraux. OPJ CG. Direction des renseignements généraux. Tout à fait. Vous êtes marié? Oui, marié. Plus combien? À Madame Bouanga, plus 4 enfants. Madame? Bouanga. Bouanga et Génie. Plus 4. Date d'incorporation à la police? 1998. Oui. 1998. Études civiles. Faites... D6. D6. Section technique sociale. Études à la police. Oui, OPJ de formation, à FOPJ. Deuxième promotion. Cette OPJ de formation. Deuxième promotion. Deuxième promotion, il faut poésie. Et dans quel centre de l'OPJ, deuxième promotion. Dans quel centre? Dans le centre des OPJ. École. C'est Vendy Flambeau. Mmh. Oui. École officielle des OPJ là. Deuxième promotion. Je pense que c'est fini. Hein.
Alors, vous voulez répondre aux questions de la Cour en quelle langue? Vous voulez répondre aux questions de la Cour en quelle langue? Français, oui, hein? Oui, c'est mieux à Lingala pour que tout le monde comprenne bien. À Lingala? Oui, pour que tout le monde comprenne bien. Vous êtes assisté par maître? Il est assisté par son conseil, maître Michel Kalemba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bien. Kende Kovanda, le suivant. Brigadier Diamassivi. Combo. Brigadier Diamassivi Mukoko. Benino. Okosamba na Lingala. Oui, mon commandement général. Ok. Combo. Brigadier Diamassivi Mukoko. Benino. Combo ya tata. Diamassivi Mukoko. Azana bomo ito kufa. Mon général Asali. Combo ya mama. Putu itema Rachel. Azana bomo ito kufa. Mon général Azali. Village Nayo, d'origine. Base Congo, Bas Congo. Congo central. Okay. Congo central, village, Yali, village, province. Village Katalaï, Katalaï. Natalaï. Secteur. La Congo centrale osa mutua territoire ni. Pardon mon collègue. La Congo centrale territoire na yo za territoire. Kasangulu. Kasangulu. Oui. Mais Oyebi groupement na yo te chefferie. Pardon mon général. Village na yo le Natalaï. Ouais. Territoire à Kasangulu. Ouais. Mais secteur, je crois que vous C'était un Banzangou. Banzangou. Là c'est un copie. Là c'est compliqué. Pour nous avoir un Congo central. Oui, Congo central, les alliés, province. Territoire au lobby, les alliés, Kasangou. Mais... District Katalak. Katarat. Aux alliés... Police. Police. Ozali na fonction nini? Naza brigadier kaka. Brigadier. Okoti na musala ya police na mbula nini? Koti le 28e mois 2010. Okoti na police na 2010. 2010. Sei na yo sala ki wapi? Kasangulu. Ozali marié
Nambana Boni. Dans un à 5 enfants. Marié plus 7. Oui, oui. 5. 5 enfants. Moi si na yokombo na yenani. Baeno Nukalanga Anto. Bien, vous êtes assisté par maître. Il est assisté par ses conseils, maître Michel Kalemba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec maître Bomolo Ekongo, avocat au même barreau. Bomolo Ekongo. Bien. Qu'est-ce que vous vendez? À vous autres, moi, général. Pour le moment, je crois. Bien. Procéder l'identification de prévenus. Est-ce que il y a la présence de la partie civile dans la salle? Il y a des gens qui se sont constitués. Partie civile. Partie civile. Je crois que c'est composé des avocats qui vont se présenter donc pour défendre la cause. Monsieur le Président, le parti civil sont à toi, Chibanda Okachama, père biologique du défunt, Jean-Luc Kalombo Chibanda, frère aîné, et M. Paul Moneva Chibanda, frère du défunt. Nous continuons sur le vent. Représenté par ses conseils, comme les confrères viennent de citer les noms, représenté par Maître Kiesse Diambou Faustin, de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître Kiesse Diambou Faustin, près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître Roger Boulaboula, du barreau de Kinshasa Gombe. Maître Roger Boulaboula du barreau de Kinshasa Gombe. Défense conjointe, maître Louis Moisé Chibouaboua, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Hilaire Moulamba, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Jean-Simon Kenga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le civilement responsable, l'État congolais est-il représenté ici? L'État congolais n'est pas représenté. Non, il est là. Monsieur le Premier Président, nous estimons que l'État congolais, nous de la partie civile, nous allons à l'audience prochaine faire la procédure pour appeler l'État congolais.
à comparaître à l'audience prochaine. C'est bien noté. Oui, maître. Merci, monsieur le président. Maître Ilac Ajambier, baron de Kinshasa Matete, comte de Kinshasa. Au compte de quel parti, maître? Vous prenez la parole, vous demandez la parole pour le compte de quel parti? Pour assister monsieur Bruno Mopepe. Vous assistez qui? Le colonel Bruno Mopepe. Vous assistez le colonel? Mais on ne vous a pas encore accordé la parole. Nous en sommes encore à l'identification des partis. Vous pouvez attendre. Parce que les avocats qui... Ah, c'est-à-dire que vous venez d'arriver. Je viens d'arriver. Vous venez d'arriver, vous voulez faire acte de votre présence. Voilà, pour le compte de... partie civile. Ok. Ministère public, est-ce qu'il y a des témoins ou des renseignants, des témoins? À moins que le cours de l'instruction nous amène à le faire. À ce stade ici, nous n'avons pas encore conçu la liste de témoins à vous présenter. Pour le compte de prévenu, hein, sur le témoin. Okay. Pour la défense. Pour la défense. Il y a des témoins et des renseignants? Il y en a. Merci, monsieur le président. Pratiquement, non. Hein. Jusque-là, on n'a pas encore de témoins à faire appeler. Nous attendons que votre audit de cours commence. C'est à ce moment-là que nous allons voir s'il y a des témoins à faire appeler. Monsieur le président, le prévenu Chongo a aussi deux témoins à faire citer. Vous dites, vous le prévenu Chongo a deux témoins. Vous intervenez pour le pour compte le prévenu de... Chongo, Morgan Chongo. Pour le prévenu Morgan Chongo. Le prévenu Morgan Chongo. Comment vous appelez? Vous présentez toujours. Il faut toujours vous présenter. Maître Mbouli, aux intérêts de prévenu Chongo. Oui. Il a deux témoins à faire comparaître. Il y a Major Sakoko. Major? Major Sakoko. Sakoko. Et puis il y a Edo, non autrement identifié. Major Sakoko et qui? Et Edo. Edo. Oui, oui. Non autrement identifié. Je ne connais pas son nom de famille. Okay. Ils peuvent témoigner pour... C'est bien noté. De l'audience, c'est possible. Oui. Voilà, je crois que ça n'est fini, donc que toutes ces formalités d'usage
avant que ne commence le jugement proprement dit. Et je vous rappelle le fait, ce sont des policiers qui ont torturé un prévenu. Le prévenu Moupépé voudrait faire appeler comme témoin le colonel Boukour des services spéciaux. C'est maître. Maître Bienvenue Fasso. Maître Bienvenue Fasso. Pour le compte de quel prévenu? Le prévenu Moupépé. Prévenu Moupépé, vous voulez citer qui comme témoin ou ainsi? Oui, Bokoumou, le colonel Bokoumou. Colonel qui? Bokoumou. Bokongo. Bokoumou. En haute voix. Le colonel Mokoumou Géry. Il est de... Je vois le premier président, il me fait signe. Dites-le que la qualité a arrêté. Monsieur le président, il va dénoter sur l'identité de tout le monde, l'identité des prévenus, des avocats, de tous ceux qui vont. Il est des services spéciaux. Vous dites? Il est des services spéciaux. Il est colonel? Oui, il est colonel. Des services spéciaux? Oui, il travaille aux services spéciaux. C'est tout? Ce sera tout pour l'instant. Bien. Revenu mon pépé, à la barre. Décoiffez-vous. Nous allons poser des questions. Bien. Prévenu, mon pépé. Présent, monsieur le président. Non, c'était quand? C'était le 17. Le jeudi, hein? Jeudi 16, vendredi 17. Quel a été votre emploi du temps? La journée de jeudi. Midi 13h. Je suis rentré à la maison, me reposer, prendre les médicaments, me reposer. Je faisais l'attention. À chaque fois que je prenais le médicament, je devrais dormir. Celle-ci, j'ai dit au chef, je suis rentré à la maison. Donc, vous n'avez pas traîné au service la journée de jeudi? Ouais, je suis rentré avant. Vers midi, 13h, j'étais déjà à la maison. Mais le vendredi? Le vendredi? Vous êtes arrivé au service? Je suis arrivé sur l'appel du colonel Géry Bokoumou. Je dormais le matin, c'était vers 7h, quelque chose comme ça, que j'ai eu le coup de fil du colonel Géry Bokoumou. Il exerce quelle fonction à la police? Géry Bokoumou. Chef de département, RH, ressources humaines. Oui, vous avez eu un appel qui de la part du colonel Géry Bokoumou, commissaire supérieur, c'est ça? Oui, il est commissaire supérieur principal comme moi, chef de département aussi.
à partir de chez vous à la maison? Oui, je dormais sur le coup de fil. Le matin, lui revenait du CCO, il arrive au bureau. C'est lui qui m'appela pour me dire qu'il y a un cas de suicide au cachot. Oui, quelle a été votre réaction? Il vous a dit ça au téléphone? Il m'a dit ça et j'ai appelé le général s'il pouvait venir. Le général lui a instruit, c'est lui qui a appelé le procureur. Ce n'est pas comme l'officier du ministère public qui a dit que le colonel ne peut pas appeler le procureur. Non, moi je n'ai jamais appelé le procureur. C'est le colonel Bokomo, quand il est arrivé, il a constaté, il a dit au général. Le général lui a dit d'appeler le procureur. C'est lui qui a appelé le procureur et le procureur a envoyé un magistrat. Et lui a encore appelé la police scientifique. Quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé un magistrat du parquet civil sur place et la police scientifique sur place en train de faire les constats. Ce n'est pas moi qui les ai appelés, c'est le colonel Bokomo qui les a appelés. Moi, en arrivant, je les ai trouvés sur place. Et quelle a été votre réaction? Non, j'ai trouvé les experts, un officier du ministère public et un technicien en train de faire le constat. Ma réaction, je me suis reproché à l'OPJ. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui ne m'a fait aucun rapport, il ne m'a pas appelé. C'est quel OPJ? Pardon, mon Gérard. C'est quel OPJ? L'OPJ à qui vous avez posé la question? Qui? OPJ Nzita qui faisait la permanence. Oui, vous vous êtes adressé à l'OPJ. Oui, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui faisait la permanence? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, le monsieur était là, il m'a tout caché, il n'a rien dit. Quand le technicien de la police scientifique nous fait voir que non, je vois le monsieur avec des lésions ici. Encore. Est-ce qu'on l'a torturé? Comme moi, je n'étais pas là, j'étais à la maison, j'étais obligé de recourir à l'OPJ. Je lui ai appelé, moi et le colonel Bokomo, lui a posé la question, est-ce que vous avez torturé le monsieur? L'OPJ a dit non, non, non. À deux, trois reprises, il a nié, il a dit non, non et non. On ne l'a pas torturé. Alors, ça doit être qui? Est-ce que M. Ikamba, là où il a pris le monsieur, il a torturé? On a posé la question à M. Ikamba, il a dit non, ce n'est pas lui également. Peut-être ici à la police. Okay. Nous sommes restés. On a dit, mais comment cette lésion? Le monsieur n'a pas été torturé. Comment avec cette lésion? Là, c'est le monsieur de la police scientifique qui me dit que non, nous avons remarqué une lésion à la main droite, ici au gauche. Et après, nous sommes restés, on attendait tout le monde. Plus tard, c'est le procureur qui m'appelle. Le général a donné l'ordre qu'on amène tout le monde au parquet. Et le monsieur qui a donné l'argent. Alors, M. Ikamba, que l'officier du ministère public dit, c'est mon ami, ce n'est pas mon ami. Il pourrait être un enfant pour moi. C'est un jeune homme, moi je suis son père. Si je l'ai connu parce qu'on l'a arrêté une fois chez nous pour un dossier de voyage, quelque chose comme ça. Alors, chez nous c'est la police. Mon numéro. En tant que chargé des opérations, c'est tout le monde qui appelle. Il y a des honorables députés qui appellent pour les interventions. Il y a même des généraux qui appellent pour les interventions. Les ministres appellent pour les interventions. La nuit, madame est dérangée des fois pour les interventions. Alors, on intervient chaque fois. Quand j'ai reçu l'appel de M. Ikamba pour me dire que Petit Akimaki Namutukananga Nazuye. Il faisait 22 heures tard. Je lui ai dit, mais allez-y, il y a la permanence au bureau. Au bureau de la police, il est venu. Moi, j'ai appelé Nzita pour lui dire, il y a M. Ikamba qui m'appelle, qu'il a un dossier là, il vient, comme toi tu fais la permanence, tu peux le recevoir. Il est venu, Nzita l'a reçu, parce que le matin, j'ai vu la plainte en bonne et due forme, donc Nzita avait fait son travail. J'ai vu la plainte, les déclarations, tout le monde. Mais le comble était que quand le procureur m'appelle, d'abord c'est M. Ikamba qui est précédé au parquet avec son avocat. Nous nous sommes restés, on a pris les autres. Le procureur, il sort à m'appel pour me dire, mais pourquoi vous avez torturé ce monsieur? Il dit, non. Torturé, chez nous, on ne torture pas. Il n'y a pas torturé. Il dit, non. Prends l'OPJ, viens avec. Et toi-même. C'est moi qui ai pris l'OPJ Nzita jusqu'au parquet. Arrivé au parquet, pourquoi M. Ikamba a laissé les images au parquet?
Arrivé là-bas, le procureur pose la question à l'OPJ Nzita. Pourquoi vous avez torturé le monsieur? Nzita nie encore devant le procureur. Et de là, le procureur appelle le magistrat Bachonga qui était là de ramener les images. Devant moi, il sort les images. On regarde, c'est devant la table d'Nzita que le policier est en train de torturer le monsieur. Je dis, Nzita, c'est quoi ça? C'est là où, directement, qu'on a arrêté Nzita. Bien. Alors, dans quelles circonstances la personne décédée était arrêtée à votre office? Je ne vous saisis pas bien, s'il vous plaît, monsieur le président. Quelles sont les circonstances de l'arrestation de la victime, c'est-à-dire la personne qui était décédée au cachot? Bon, les conditions de l'arrestation, je ne saurais pas vous dire parce que ce n'est pas moi qui l'ai arrêté. Moi, j'étais chez moi à la maison, la personne est arrivée au bureau. L'OPJ l'a reçu, j'ai bel et bien vu la plainte du plaignant, la déclaration de la personne quand je suis venu le matin. Là, peut-être l'OPJ saura vous dire. Moi, je n'étais pas là, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est que l'OPJ qui l'avait arrêté. C'est l'OPJ qui faisait la permanence ce jour-là. Mais lorsque le commissaire principal Bokomo, Jerry Bokomo, vous a appelé, oui, arrivé sur les lieux, est-ce que vous l'avez vu? Parce que c'est lui qui vous avait appelé. Oui, j'ai trouvé, quand je suis venu, j'ai trouvé un magistrat Eto, le colonel Bokomo et l'équipe de la police scientifique. Mais qu'est-ce que le commissaire principal... Le supérieur principal, Jerry Bokomo, vous a dit sur place? Quand il m'a dit, arrivé sur place, il m'a dit, mais non, le chef de poste, non, c'est un détenu. Il m'a dit, un détenu qui a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui s'est suicidé au cachot. Ah, il y avait une personne qui s'était suicidée au cachot. Ah, c'est ce que le commissaire principal, Jerry, vous a dit. Oui, il m'a dit, non, il y a quelqu'un qui s'est suicidé au cachot. Alors, c'est un détenu qui a remarqué, il a dit au chef de poste, et le chef de poste a dit au colonel, le colonel à son tour, il a appelé un autre colonel qui était déjà au bureau à ce moment-là. Ils sont venus, ils ont constaté. Directement, avant de m'appeler, ils ont appelé le général. Le général l'instruit d'appeler le procureur et la police scientifique. C'est ce qu'il a fait. Puis il m'a appelé, je suis venu, j'ai trouvé un magistrat que le procureur avait envoyé, j'ai trouvé la police scientifique sur place. Alors, il était détenu au cachot pour quelles raisons? Bon, là, c'est l'OPJ qui vous dit. Non, la cour vous pose à vous la question. La personne qui est décédée était arrêtée pour quelles raisons? S'est trouvée au cachot pour quelles raisons? Une meilleure réponse serait à l'OPJ parce qu'il a entendu sur le PV. Pour ne pas anticiper, donner la réponse à la place de l'OPJ qui l'a auditionné. C'est que vous ne voulez pas donner la réponse? Non, ce n'est pas que je ne veux pas donner la réponse. Vous étiez sur les lieux du constat. Je pouvais vous donner la réponse selon le rapport qu'on m'a donné. Le rapport que l'OPJ m'a fait, oui, il m'a dit que non, le monsieur, on l'accuse parce qu'il avait détourné la chipote. Voler, falsifier les documents et aller faire saisir à quelqu'un pour prendre l'argent. Et qu'il m'a dit. Qui l'avait accusé? Son plaignant était M. Itamba avec sa plainte pour bon, abonner du foie. Tous les deux. Monsieur Ikamba. Monsieur Ikamba, oui. Monsieur Ikamba. C'était lui le plaignant. Oui. Monsieur Ikamba. Ok. Où se trouve Monsieur Ikamba? Lycée public. Monsieur... Retournez, Monsieur le Président. Avant de présenter notre intention par rapport aux déclarations du prévenu, nous voulons encore solliciter par rapport... à l'article 231 auquel nous avions fait allusion par rapport aux médias, parce que
On me fait signe qu'il y a une autre chaîne de télévision. C'est en l'occurrence la télévision Molière qui exprime aussi le désir de couvrir la présente audience. Et en référence à la même disposition, nous requérons qu'il plaise à votre cour d'autoriser que cette chaîne aussi puisse accéder à la salle et couvrir. Ça, c'est notre première prétention. Bon, c'est notre première demande. Où se trouve le représentant de la chaîne Molière? Ce que nous devons l'identifier, le représentant de la chaîne Molière. Bon, comme il est encore dehors, vous pouvez, la Cour vous accorde la parole pour poursuivre votre intervention. Notre préoccupation, Monsieur le Président, par rapport à ce que le prévenu, mon pépé, est en train de dire à la Cour, il veut seulement faire croire, ou bien, il veut seulement faire foi à ce que le colonel lui a dit par rapport à un soi-disant suicide. Est-ce qu'il peut dire à la Cour qu'est-ce qu'il